lui est un peu, c'est NXT 68, je suis passé dans le coin, j'ai vu la lumière, alors je suis rentré. Donc, une petite vidéo ce soir, maintenant, pour faire un petit peu de choses. Ensuite, pour dédicacer cette vidéo, on a dédicacé la vidéo, le petit public. Et pas converti, mais monsieur, je convertis en part des gens, ça arrive. En ce moment, au boulot, c'est un peu le boxon au niveau des cigarettes électroniques. Je fais beaucoup de cigarettes électroniques de Carlos, hein, de sous impression, je ne suis pas très gentil. Malheureusement, je vois trop de gens dans une espèce de musique pour brancher une cigarette électronique. C'est un matériel hyper high-tech, et que tu voudrais qu'il y ait une bouse originale qui sort de l'autre là. Alors, à chaque fois, je me fais ça avec plaisir. C'est une cigarette électronique, là. Ah, c'est une cigarette électronique qui sort au doigt. Parce que machin, mais c'est pas gentil, on se moque et tout. Mais quand même, c'est un peu. Néanmoins, je dédicace quand même cette vidéo, cette Ludovic à vidéo, cette vidéo à Ludovic, puisque, eh ben, on a discuté de tout ça. Mais il devrait y en avoir de plus en plus. Les gens, justement, devraient être un peu plus curieux par rapport à la clope électronique, comparativement au tissu de conneries que j'entends au cours de mes journées. Ah, ben, ils m'ont dit à la télé que c'était plus mauvais que la vraie cigarette. Et bien sûr, hein, comme on disait que la radioactivité, c'était bon pour la santé, patati patata. Okay. Deuxième point, c'est quoi ce bordel qui suit le poste tout à l'heure avec la jurisprudence, le tribunal et tout. Parce que lui, ils vendent des clopes électroniques, c'est de la concurrence déloyale, des pesticides qui sont si actifs. De la concurrence déloyale, c'est pas du tout le même produit, quoi. C'est même plus, on marche sur la tête. Je postais tout à l'heure que j'avais pas de temps, j'avais pas d'énergie pour ces conneries, donc moi je me suis quand même, je vais réagir. Ils ont du temps, aux tribunaux, pour gérer ce genre de conneries. Il y a des mecs qui viennent d'ouvrir les frontières à 50 cartouches ou je sais pas quoi, pour entrer de certains pays d'Europe, là il y a un type qui vous fait un caca nerveux parce qu'ils ont plus que 5 paquets de cannelle au lieu de 12, et on attaque le gars à côté qui vend des cigarettes électroniques. Putain, c'est quoi ce pays de liberté dans les galères? On veut vaper, foutez-nous la paix, quoi. Foutez-nous la paix. C'est pour ça que je continue sur cette maxime, je vape et je t'emmerde. Mets-toi ça dans la tête. C'est-à-dire, je sais ce qu'il y a dedans, je sais que c'est du chimique, je sais que c'est dangereux pour la santé. Je sais que c'est moins dangereux que ma vraie clope. J'ai fumé des vraies cigarettes pendant 30 ans et je vais encore en fumer parce que moi je peux toujours. Je peux toujours à côté. Là, le soir, je me sers de la clope. Je me sers beaucoup dans la journée. Et bien, au moins, entre nous, voilà, j'ai un paquet de cannelle et compagnie. Et ma clope électronique, c'est 10, 15, 20 clopes que je fume pas. Foutez-moi la tête. Foutez-moi la tête. Lâchez-moi la grappe avec ma clope électronique. Messieurs les avocats, messieurs les tribunaux, messieurs, vous avez un tout petit peu autre chose à faire, quoi. Sans déconner, quoi. Sans déconner. Là, c'est tout ça dans l'âge, mais bon, de parfois. Et alors, pour finir, la icône. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une espèce de stylet pour Nintendo DS, cette pignette de tapouche. Les mecs, ils n'ont rien inventé. Alors, rien du tout. C'est exactement la même mayonnaise que pour les bagnoles. Mais nous, vous avez un voyant là, vous avez un truc électronique là, vous serez incapable de le réparer tout seul. C'est pas les mêmes tablis qu'il faut faire que chez nous. C'est pas les mêmes atomiseurs qu'il faut faire que chez nous. C'est pas les mêmes techniques qu'il faut faire que chez nous. Achetez pas ce truc là, les enfants. Sans déconner, achetez pas ce truc là. Faites le tour du forum, vous allez trouver des tas de modèles bas de gamme, très haut de gamme, pas cher, super cher, mais qui sont tous bidouillables à souhait. Ce machin, j'ai été voir par curiosité parce que je reste un mec curieux. Ce truc de facho me donne envie de vomir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets une idée là-dedans, c'est fini. T'achètes que chez eux. Quoi. Non, qu'est-ce qui fait la diversité de la cigarette électronique? Je disais encore il n'y a pas très longtemps que les marchands de clopes électroniques sont des gens intelligents parce qu'ils ont un pas de vis quasiment standard. Alors, ils ont 1, 2, 3 modèles. Il y en a 510, il y en a le pas de vis ICO, et il y en a encore un qui est le KR808. Très peu de gens l'utilisent, mais j'utilise encore pourquoi. Tu vois, mais en grande majorité, c'est quand même le 510 et le Panissimo. Et tout ça est standard, ça vous permet de mettre tel pilon sur tel panneau. Si on commence à vendre des trucs uniques, on va tomber dans le même boxon que les téléphones portables. Au départ, les téléphones portables, c'était une connectique mini USB. Comme les appareils photo, c'était magique.
tu as un câble pour charger 8 appareils. Et lui, aujourd'hui, il prend un exemple tout pauvre. BlackBerry. Voilà. Prise toute plate de merde. C'est pas les mêmes. Il y a encore des tas de téléphones portables qui fonctionnent en USB. L'iPhone, j'en parle même pas. C'est pas du tout la même prise. C'était trop cool, mais c'est le même câble. Sans déconner, quoi. On va pas tomber là-dedans, les mecs. On va pas tomber là-dedans. Donc, vous voulez pas nous vendre des clubs électroniques qui sont modulables et divisibles à souhait? Allez, vous faire faire un œuf. Rien que pour ça, ce modèle m'intéresse pas. Et enfin, dernier point que je voulais aborder. L'approche des gens. Dans ma campagne, dans ma campus, quand je suis en province, je suis pas trop emmerdé par l'approche des gens qui connaissent pas la CIA, électronique, parce que c'est pas vraiment. Finalement, je suis sur table. Et bien, curieusement, tout ce tapage médiatique qu'on fait sur les médias, en gros, c'est pas bien pour le quotidien, ça n'existe pas. Sans déconner, ça n'existe pas. Moi, je me sers ma clope électronique dans les bars. Je me sers ma clope électronique dans les bars. Je me sers ma clope électronique dans les restaurants. Pas ça. Un grand bar. Tant si j'en ai des voir, je suis régulièrement ici poster des vidéos ou ouvrir quelques posts sur le forum. Je vais raconter des tas d'anecdotes et des croustillants que vous devez. Enfin, ici, les gens sont grands. Parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc, messieurs les médias, arrêtez de vous pleurer la reine. Et que vous pourrez vous dire, ah, mais c'est pas bien parce qu'il y a des trucs qui vivent à l'intérieur. On n'en a rien à foutre. On a fumé pendant 30 ans du cancer en mer. Qu'est-ce que vous ça nous fout que vous essayez de dénaturer, de destituer ce truc-là? Ça marche. On ne fume plus cancer de ça. On n'a plus de polonium. On n'a plus d'acide cyanhydrique. On n'a plus d'hydrogène sulfuré. On n'a plus de monoxyde de carbone. Il n'y en a pas là-dedans. Arrêtez de nous bouffer. On a envie de vaper, on a envie de fumer des clopes électroniques. Encore une fois, tout est de la tête. Ouais, les petits gars, je voulais vous refaire un petit coucou parce que j'ai dit deux, trois trucs depuis tout à l'heure, ça me bouffe un petit peu, je suis un peu fainéant des doigts. Donc je me suis dit, en faisant une vidéo, ma foi, ça valait le coup, et puis pourquoi pas, passer vous faire un petit coucou en photo de temps en temps. Je m'excuse par avance de la piètre qualité de l'image, je ne sais même pas ce qu'on va rendre la vidéo, peut-être que c'est bien, je ne vais pas la poster, puis vous la verrez jamais, parce que j'ai que mon ordinateur portable, je ne sais pas dans le cas à la maison, haute définition, ou avec un peu de pixels. Pardon. C'était que l'image est un peu caca, le son, je ne sais même pas comment on se rassembler. Moi, je tape sur la table, et tout, ça doit être super chiant, mais c'est tout, hein. Bon, voilà. N'oubliez pas. Je vape et je t'emmerde. Et May the Vap, bisous, je vous embrasse tous. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao, bisous.